Tiens, vite la VOD. Bonjour VOD. Suite. Bonjour VOD. Voilà. Ouais, c'est ce que j'allais dire. On est avec Aurel, on fait la suite de Man of Medan. On a eu un petit bug et tout ça, du coup je relance un peu à l'arrache. Mais on est vraiment à la suite. Il y a un sub-goal rempli au moment du bug. Ah, oh là, ah bah oui, tiens, je fais autre chose, tiens. Hein, j'ai mince de prendre une décision. De penser à un merci, Mimo. Je suis à peu près sûr qu'on peut remonter sur le Duke d'ici. Mince. Du coup, j'ai pas parlé. Minute. Ah. Doit bien y avoir une radio quelque part. Ça, c'est toi, ça. Hein. On pourrait peut-être s'en servir. Ouais, c'est pas bête, mais... Et ça, c'est toi, ça. Encore. Ouais. Il faut qu'on trouve comment y arriver. Ça, c'est moi, ça. Ouais. Et ça, c'est... Ça, c'est pas nous. alors, par Locke, contre... c'est Julia. Ah, ça y est, t'es Julia. Ah, toi. Bah du coup, on a un passé. Ah bah voilà. Mais putain, merde, je bouge pas. Mais alors... Attends. Qu'est-ce qui se passe? J'aimerais bien qu'ils prennent en compte ma manette, là. Ils prennent en compte le clavier, ça me saoule. Ah, voilà. Ah, bah ça y est, moi, j'ai un délai entre ma cam et... enfin, sur ma cam a un délai, maintenant. Ah oui. Oui, c'est vrai que ça faisait ça la dernière fois aussi. Ah, non, ça y est, il n'y a plus de délai. Bon, bah là, il y a un délai. Ah, tu crois que ça vient du jeu? Peut-être, hein. C'est vrai que la dernière fois... La fois, ça m'étonnerait pas que ça vienne du jeu. Enfin, en tout cas, que ça... Voilà, que ton PC, il ait du mal à faire... à gérer les deux, parce qu'en plus, je sais pas... Voilà, je me rends pas compte à quel point le logiciel que tu utilises peut-être... Ouais. Peut-être pompe un petit peu aussi sur la CG. Ce jeu, il va forcément aussi pomper dessus, donc ça peut... Eh ben, tu sais quoi, je vais faire un truc, je vais... T'as vu, j'ai même pas peur d'utiliser le mot pomper dans un contexte normal, t'as vu? Bah, t'as vu. C'est ça, la maturité. Salut, Valou. Bien sûr. Je vais baisser les paramètres un peu. Quelle galère, ce jeu. Peggy 18. Mais moi, je les ai tous faits. Franchement, là, c'était juste le dernier qui me manquait. Je les aurais tous faits, ces jeux-là. Et même s'ils sont pas exceptionnels, vu qu'il n'y a pas beaucoup de jeux qui proposent une vraie histoire en multi, en horreur, eh ben, je continuerai à les faire. On va se mettre comme ça. Est-ce que... Là, je lag toujours, mais pour l'instant, ouais. Oula. Mince. Je sais pas, attendez, non, faut que je fasse, faut que je revienne en arrière. Ah oui, c'est ça. Mais oui, moi je me mets pas prête aussi et puis j'attends. Là, je lag encore, ouais, bon. Allez, on va essayer ça comme ça. J'aimerais bien que ça se mette vraiment prêt. Voilà. Donc rejoindre la tour radio, trouver une entrée. Non mais attends. Qu'est-ce que c'est? Non mais j'en veux plus, ça prend pas ma... Ça prend pas manette. Mais enfin... Oui. Ça devrait être bon, là ça devrait être la manette. Là elle est prise en compte, tout à l'heure aussi, voilà. Ouais. Ok, on va voir. J'avais pas réussi à sauver beaucoup de persos, il nous dit Gail. Ah. Nous, on en a perdu qu'une pour l'instant. Ouais, bah on a fait que le début. Hein. Oui. Bon, allez, je sors de cet endroit. Moi, je faisais comme toi. Oui, je fais 5 allers-retours. Mais hein, on est carrément foutu. Ouais. Oh, il est classe le bateau de l'extérieur, comme ça, je m'attendais ouais, pas. Sympa. Il est tout rouillé, on va trop avoir le tétanos. Moi, j'ai des chaussures. T'as des chaussures, toi? J'ai l'impression que j'ai des chaussures. T'as une lampe torche? Ouais, oui, j'ai une lampe torche. Bah, moi, j'ai pas de lampe torche, regarde. J'ai des bras vides. Ouais. J'ai que mon désespoir. Ah oui, toi, salut, t'as fait... Salut, ta fille, comment il s'appelle? C'est House of Ashes. C'était celui que j'ai le moins aimé, House of Ashes. House of Ashes. House of Ashes. Mais c'est Ashes, genre... Genre, je sais même pas ce que ça veut dire. Ok, salut, y a une amie. Il y a des trous dans la carlingue. Non mais trous, ça, on a vu qu'il y avait des trous un peu... Enfin, que des trucs s'étaient fait tirer dessus et tout. Ça, on avait vu, ça. Ça, on avait vu. On avait vu ça, c'est pas beaucoup d'infos ça. Non, hein, c'est pas très pertinent. Non, est-ce qu'on pourrait savoir pourquoi il est hanté peut-être? Ça ouais. Pas mal. Ça je veux bien tous savoir. Tous les gens qui sont tirés dessus n'hantent pas les autres, donc au bout d'un moment... Ah oula, il rentrait bizarrement. Ouais. Ah, je t'ai vu te TP, je croyais que c'était un screamer qui m'arrivait dans moi. La gueule. Moi je suis derrière toi. Ah oui, d'accord, de dos je croyais. Vu que je voyais pas la tête, mais oui il a des lunettes lui. Oula. Ouais. Ah, ça fait chou. Et chou. Ah. Celui qui est cool, c'est Little Hope. Qu'on peut monter celui que je conseille.
de cette série de jeux. Même si tout le monde n'est pas d'accord avec moi, ils ont le droit d'avoir tort. Mais moi, je préfère avoir raison. Voilà. Moi, choisir. Je vais t'aider. Bah, regarde avant ce qui s'y passe, parce que si je monte et qu'au final, y a rien, oui. C'est un cul-de-sac comme dans Lethal Company, bah on se sera fait chier à monter pour rien. Oh, fondu en noir. Ah, d'accord. Okay. On est beaucoup trop ici. On est... on se... Ah, mais escalier bon. Oh, je vais là-bas, moi, tiens. On peut pas bon, bah y'a rien, en fait. Je vais là-haut, en fait. Ce suspense est insoutenable. Oh non, mon bras il passe à travers. C'est pas grave. T'as des problèmes de bras, t'as des bras vides. Ouais. À travers. Cette nuit j'ai fait un rêve trop chiant sur Headbanger. C'est ma moto qui me dit ça. Ah bon? Ma moto. Là, je vous le mets trop dans la tête le jeu, je suis désolée. Oula, mais. Qu'est-ce qui se passe? T'as vu des trucs? Mais non, mais la tête de l'autre qui regarde pas la fenêtre, ça, je l'ai trouvé. Ah oui, ouais, oh j'avoue! Oh, cette image est un petit peu creepy, regardez. T'as vu? Oui, bon, je bouge. Je me dis, ça s'appelle, c'est gauche-droite pour bouger, hein, en fait. Non, oui, il y a des nouvelles émotes, hein, vous avez vu. Animées, tu les as faites, les émotes animées? Bravo. J'en ai une d'animée. Mais c'est les deux nouvelles que j'ai faites, là, elles sont par pas ici! Animées, c'était simple. Oh! Parce qu'il y en a plein de, maintenant des nouvelles animées qu'on peut faire. Ouais. Il y a un chemin par là. Mais j'ai mis une émote de 2012. J'ai mis un dab. Ou j'en fasse aussi du headbanger. Bah si vous êtes chaud, on s'organise un truc. Hein. Il dit ça à Gail. Mais grave. Bonsoir Katimini. Vous avez vu, premier QTE, j'ai réussi. Hein. Je veux rien dire, mais... C'était un QTE suis... Ouais. Oula. Pour ouvrir la porte. Cadavre. Attention, cadavre. Oula. Ici. Oula, dis donc, oui. Toi, t'as une lampe. Bon, elle te sert pas à grand chose, parce que tu, non, tu regardes que par terre. Non, rien... Ouais, je vois rien de plus que toi, finalement. Mais... C'est vrai que le gars, il fait que foutre ça. Sa lampe torche vraiment le long de son corps, et, elle, et voilà, elle est sur le sol, quoi. Elle illumine le sol. Oh, attends. Là, il y a un tableau. C'est peut-être une prédiction, des fois, c'est ça, les tableaux. Ouais. Ah oui, ça a l'air. Ah. Attends, j'arrive. Je peux pas courir. Oh, quelqu'un qui se suicide, j'ai l'impression. Lox a trouvé un tableau. Ouais. Bravo, tu, Lox. Tu verras pas. Tiens, je te re-regarde comme ça, tu peux pas le voir. Comme ça. Eh ben, tu sais quoi? Eh ben, je... C'est bon, c'est bon. Les... Je t'éclaire dans la tête, comme ça, tu verras plus rien. Pas encore. Je m'en occupe. Ah oui, dis donc. Oh, il y a du suicide là. Qu'est-ce que ça veut dire QTE? T'as le principe mais pas la def. Quick time event, oui, event. C'est ça, exactement. Je croyais que je savais pas, mais en fait je la connaissais. Tu vois? Et ouais, finalement. Voilà. Salut Linko! Ouais, pas mal. Bon. Pas mal. Comment ça va? Ils avaient donc la passion de mettre des petits points sur des cartes. Ah oui. Je commence pas tard, Linko, j'ai des coups. Comment il comptait atteindre San Francisco en suivant cette route? On a l'impression qu'il voulait pas se faire repérer. Ouais, c'est vrai. Ouais. T'as Gail dans ton chat, et moi j'ai Linko Rep, et cet après-midi, Linko et Gail, ils ont joué ensemble. Ouais, ça c'est stylé. Ça a eu classe ou pas? C'est vrai, en plus j'ai regardé un petit peu sur Skull and Bones. J'ai pas pu regarder moi, mais j'ai vu que vous jouiez ensemble. Ah mince, je me suis confondu avec toi. Moi aussi je veux voir. Hey, arrête de te confondre avec moi s'il te plaît. Rien. Bateau a dérivé. On se ressemble tellement. Ils ont pas pu trouver leur position. C'est pas intéressant, je m'en fous, je m'en vais. À ce moment-là, je vais chercher des vraies preuves et des armes et je vais chercher un bazooka. Ouais. Et moi, je vais mettre le code pour avoir les munitions en infini. Moi je vais faire Mother Load et on aura plein de sous. Regarde ça. Ouais. Ça marche Linko, trop bien, merci. Oh putain, j'hallucine là. Sérieux, ça fonctionne encore ce truc? Bon. Ah oui, ça fait où? Ça fonctionne. Ah mais c'est toi la main là. Ouais. Bah, j'ai cru que c'était la mienne, hop tu vois. Là, comme quoi. Hop,
Tu vois ? Tu vois ? Non mais c'est le vernis ça, ça me fout. C'est vrai. Ta couleur préférée. Mais toujours ce vernis. Ah non mais c'est... Coucou gag. De l'aide. Repose-toi bien, Linko. Hey, courage allô, pour ton mal de crâne. Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Allô ? Merci d'être passé faire un coucou. Oh, c'est qui, c'est qui, c'est qui la radio ? Mon Dieu. Ok, parfait. On. Je sais pas. C'est pas un pote à moi en tout cas. Voilà, je reconnais pas sa voix. Ouais, c'est... Allez, je vais faire. S'il vous plaît, aidez-nous. Je vais faire la meuf paniquer. Ok. Mais c'est clairement la radio du passé, ça, je suis sûre. Mais eux, ils disent pas over. Nous, on est perdus quand ils disent pas over. Nous, on c'est dit pour ça, toujours ça over. Ça marche jamais. Mm. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on est sur un vieux cargo. Over. S'il vous plaît, s'il y a quelqu'un qui nous entend, répondez. Répondez, et over. Allez, répondez. Allez, répondez, over. Est-ce que tu as mis ton pull, over? Hé, hey, les gars, matez ça. Trouver un trou. Wow. Ah non, c'est pas moi lui. Hey, regarde. Mais je préfère être lui. Ah, j'ai une lampe torche maintenant. Vas-y. On trouvera peut-être un truc en bas pour nous aider à rétablir le courant. Il faut qu'on remette cette radio en marche. Eh oui. Quelqu'un devrait attendre ici au cas où. Je dois être honnête. Je crois pas que je pourrais descendre dans mon état. J'y vais. Évidemment. Oui, c'est vrai qu'il s'est pris une branlée je au tout début. Je peux le faire. C'est moi qui devrais y aller. Ouais. Eh, petit frère. Eh, petit frère. Je me disais que tu... Quoi de neuf ? Quoi, quoi de neuf ? Hey, salut bro, ça va ? Mais de quoi ? De quoi tu parles ? Oh, c'est très beau ! T'as pris la barre, franchement. Quoi de neuf ? T'es carrément mis en première ligne. Tu mélanges les métaphores. Je base, là, c'est quoi cette conversation ? Je suis impressionné. Sérieusement. Ça va et toi ? Alors, on se fait une bouffe, un de ces quatre ? Alors, votre conversation... Franchement, la conversation, j'ai un peu lu, parce que j'écoutais pas trop. Ça avait pas beaucoup de sens en vrai, c'était des phrases un petit peu qui... Ouais. Je veux pas te perdre sur ce sale rafio. Je viens aussi. Salut, ça va Julia ? Julia, non. Julia. Julia, est-ce que tu vas bien ? Avec ou sans patate ? C'est moi qui y vais. C'est bon, affaire classée. Ok. Je pouvais faire insoumission, du coup je me suis insoumise. Ok. On y va Julia. Pourquoi le frangin est dans un sale état ? Bah parce que les méchants, ils... Oula ! Julia ! Oh là là. J'ai pas eu de QTE là. Hein. T'as pas... Là je tiens à préciser que j'ai pas... À vous. J'ai pas pu essayer de la sauver la petite là. Oh comment il tombe ? Ouais. Oh, avec ses genoux, ça doit faire trop mal. Ouais, ça doit faire mal. T'as rien de cassé. Qu'est-ce que c'est ? Quoi ? Ah mais... Oh, pardon, excusez-moi. Mais oui, j'autorise. Mais oh là là. Oui, j'autorise le jeu, oui. Mais laissez-moi jouer, enfin, les gens. Voilà. Non mais où ? Quoi ? Oh là là. Qu'est-ce qu'il fait ? Oh là là. Est-ce que tout fonctionne ? Ça fonctionne super, ouais. ça va, c'est juste mon PC qui... Ça va. Peut-être qu'il va... Ça achève le PC, tranquille. On fait quoi maintenant ? On fait quoi maintenant ? Allez. Il va falloir trouver le générateur. Si on peut le relancer, on pourra rallumer la radio. On va attendre là, près de la radio. Salut Génocidax. Pour l'instant, on est sain et sauf. Ouh. Au cas où on trouve pas, je pourrais quand même me foutre le feu à moi-même. Tout à fait. Ce qui sera une solution alternative à la noyade. Ouais. Ah non, c'est pour ça. Après toi. C'est logique. En fait, pourquoi s'immoler direct ? La lampe, c'est bien. On dirait les niveaux inférieurs. Elle sert à rien la lampe ! Vas-y, tu me joues. C'est histoire qu'on en ait chacune une, quoi. Ouais, bah. Ma mienne, elle sert à rien. Ouais.
Mais la mienne en vrai, j'arrive pas à la diriger en fait. On parle toujours de la lampe. Toujours. Faites-la s'arrêter deux minutes. Apparemment, 2 minutes, c'est pas grand-chose. Il y a une sorte de baston. Un certain Charlie a fini au trou. Charlie Anderson. Ah bah c'était au début. En fait, on trouve là, on trouve les trucs de quand on était les deux gars du début et on s'était retrouvés enfermés parce qu'on avait picolé. Tout à fait. Il y en a un Somme qui a tué un normal. Autre. Oui. Il y en a mais un qui a. C'était un enfant possédé. Non, j'étais pas un enfant possédé, j'étais moi. T'étais... Non, pas du tout. Si. Moi j'ai trouvé une note, mais j'ai pas lu ce qu'il y avait dessus. Ouais, parce que j'ai vachement de trucs. Ouais, j'ai trop de trucs à écrire. C'est vachement long. Et que ça parle de gens que je connais pas du tout. Ça a dû cogner fort. Oh. Oui, une lumière qui s'allumait. Y'a rien ici, j'ai juste une cellule vide. Allez, ok. Y'a rien de ce côté. Je vais aller de l'autre côté. Bah, j'ai pas vu de trucs qui brillaient. Ouais, ok. Quand même bizarre, un bateau où t'arrives, y'a pas de lumière, rien, mais y'a des trucs qui brillent. Ouais. Puis là, on a quand même des lumières en fait. C'est ça qui est un peu étonnant. Ouais. Est-ce que c'est un bateau prison? C'est un bateau de l'armée, un vieux bateau de l'armée, donc dans lequel il y avait des. Des oui, un genre de prison quoi. Ouais, un cachot. Pour, un cachot, voilà. Pour les soldats qui font Nawak. C'était un peu dissident. Là, il y a un truc qu'on peut descendre. Ah bah tiens, moi j'ai une photo d'enfant. T'as une photo d'enfant. C'était peut-être le fils d'un des marins qui était à bord. Pour papa, reviens vite. On... Ah oui, non. Oula, cadavre. Mais il reviendra pas vite. Encore des notes avec plein de noms. Le soldat Rolette. Non, pas du tout. Le soldat John Patterson. Pas Rolette, Texas, c'est le nom où il est. C'est l'endroit où il est né. Le soldat Rolette. J'aime bien ce nom. Pourquoi pas, pourquoi pas. Oui, j'aime bien. Ouf. Bref, il y a eu des soldats, il y avait des soldats quoi. Voilà, voilà hein, pour résumer finalement. Et puis il y a eu des soucis. Il y a rien sur le cadavre. Oh, bah. Enfin, j'ai rien vu en tout cas. Non, mon perso qui fait juste BR. Bon. Ok, bon a priori là c'est bon. C'est de là où on vient là-bas. Ouais. Je pense. Ah oui, t'avais dit qu'ici on pouvait descendre ou monter, je sais plus. Là où on peut descendre là. Ça veut pas dire qu'il faut descendre, hein. C'est juste que c'est possible. Bah je descends, allez. Vas-y, tu me dis si c'est dangereux. Viens voir ici. Bah oui, j'ai venu voir. C'est la salle des machines. Ah d'accord. Ah oui, parce que j'allais dire, y'a rien. Oui, regarde, regarde, c'est un pont, mec, en fait. Merde. Sion, un pont. Y'a plus d'échelle. Je pense pouvoir sauter d'ici. Attends. Ouais, ça va. Il a attendu que une cheville. Ouais. Ça ira. Rejoins-moi. Bah peut-être qu'il y en a un qui reste en haut au cas où. Là vous pourrez pas remonter en parce fait. Bah c'est ça en fait. En se faisant la courte. Ah oh, si, c'est accessible. Ouais, ça se fait parce qu'il y a les rambardes en fait. Il y a la ouais. Ah, pétard. Il y a un truc. T'as vraiment rien vu du tout. J'ai rien vu moi. T'as rien vu? Non. 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 Bien sûr que non. Pardon. Trop chelou, mec. Je commence enfin à comprendre ce qui se passe ici. T'as la folie des océans, toi. Donc, ce bateau transportait l'or de Mandchourie. Mais en réalité, c'était pas du tout de l'or. C'était un produit toxique. Et il y a cette brume bizarre partout. Ah, lui, il a lu l'or, pas c'est nous. C'est peut-être ça, l'or de Mandchourie. Ouais, et peut-être qu'on l'a respiré et que ce truc nous a fait perdre les pédales. J'aurais vraiment juré avoir vu des trucs bien glauques. J'ai peut-être raison de pas y croire. C'est juste que j'hallucinais. Ça paraît assez logique, en fait. On sait que quelque chose leur flanquait la trouille. Ouais. Ouais. Ils voyaient tous ces trucs déments sur le bateau et croyaient que c'était bien réel. Mais c'est Aurel qui a fait caca moulox. Et ouais. Caca
4 camions. Je sais pas, peut-être que l'avion a essayé de contacter le navire. J'étais obligé de trouver une alerte moi aussi maintenant. Ah bah. Bon sang. C'est vrai que okay, j'aurais dû le faire depuis longtemps. Bon, on est très bien. Bon, j'avance puisque toi tu flippes. Mais je. Non, je flippe pas. Non, pas vrai. Ah. C'est écrit quoi, c'est écrit quoi, c'est écrit quoi? C'est écrit Aurel il flippe, bisous. C'est même pas vrai. Là, il y a écrit Port de Rotterdam et je sais pas lui après. Rolette. Il y avait écrit Van Leeden, Rotterdam machin, tout ça. Bref, c'était. D'accord, ouais. Okay. Ça m'a énervé. Ça m'a énervé là. J'ai lu ça, c'était tendu. Oh, dis donc. Ah, c'est quoi ça? Ah non, je crois que c'était des trucs dégueux. Il y a plein de fumée qui sort du sol, on dirait. Enfin, du sol. Ah oui, quand on marche. Ouais. Parce que c'est très poussiéreux. Alors, je sais pas du tout où je vais. Hein. Pourtant, ça se voit pas. Ah, il y a des trucs. Il y a un levier, là. Si, fais des trucs de levier. J'ai trouvé. Trop bien. Il fonctionne. Ah, c'est le générateur. Ouais, pas de doute, c'est ça. Genre, ils savent à quoi ça ressemble. Et on pourra retourner là-haut. Ok, on peut retourner en haut. Ouais. Il va falloir trouver un autre passage. Ah. Trajectoire actualisée. Ça y est, c'est bon, on est là. Ah, parce qu'on pouvait ne pas trouver le générateur, ça veut dire... Peut-être. Est-ce que vous m'entendez? À vous. On a été kidnappés sur un bateau. Il y a des choses qui essayent de nous tuer à bord. À vous. Ils disent pas over, mais ils disent à vous, ça va. Hey, ouais, c'est vrai. On est sur un énorme navire. Notre position est 12 degrés, 30 minutes sud, 151 degrés, 20 minutes ouest. Vous notez? Un bateau de sauvetage avance vers votre position. À vous. À vous. Oula! Trop de jus. Il a fait un tout petit coup très très vite. Merde. Ouais. Il a réussi à cramer la radio. Allez. Pardon, excusez-moi. Allez-y, je vous en prie. Madame. Non, mais je n'en ferai rien, enfin, allez-y donc. Ah bah... Allez, bon, j'y vais du coup. Alors. Pardon. J'y vais. Oui, mais... Non, alors non, mais... faudra... Voilà, attends. Bon, non, attends. Non, toujours pas. Non, y a un vrai truc avec les portes. Hein. Moi, ça. Le recycleur. Los recycleros. Je sais pas. Sur le Duke. Tu crois qu'il marche toujours? Il reste peut-être encore quelques minutes d'oxygène. Ça vaut le coup. Ah, j'ai la ref, Gail. Oui, exact. Prendre, impatience, laisser. Eh ben non, mais on prend. Bien sûr qu'on l'embarque. Bah oui, on va pas le laisser, c'est stupide. Bah non. Je pouvais choisir de laisser genre impatience. En vrai, c'est de l'impatience. Bref. Ouais. On prend pas. Trajectoire actualisée. Oula. Bliss. Ah merde. Ah oui, Bliss, c'est vrai. Oui, oh Bliss. Bah ça va, hein. C'est vrai, je me rappelle ça. Sombre histoire. Je sais ce que t'essaies de faire. Ah, mais... Hein? Mais c'est moi qui vais te tuer. Dis-moi seulement où est ce putain d'or. Non, c'était pas mon perso, c'était le perso d'Aurel. Vous vous souvenez pas? Tu dis n'importe quoi. Tout ce que tu racontes, c'est des conneries. Alors, ferme ta sale gueule de merde. Ça va pas très fort, Olson. C'est pas vrai. Comment il est mort? Mais comment ils savent qu'il... Ah oui, il est mort. Ah oui, ne rien dire, je sais pas. C'est Doug. C'est le type que j'ai noyé dans ma cale. Je m'en rappelle plus, moi. Moi non plus. J'avoue. Ah, donc il interroge un mort. J'ai noyé un gars, je m'en souviens. Non, mais c'était peut-être pas moi qui le jouais quand ça s'est passé. C'est peut-être Lox. Ouais, ça ressemble au toujours de trucs que j'oublie, tu sais, c'est tellement anecdotique, tu sais. La mort de quelqu'un, c'est pas...
Si je devais m'en souvenir à chaque fois. Oui. Ah, il devient tout fou. Ouais. Oula, oula, calme-toi au sol. Ah oui, oula. Okay. Attention. Moi je veux que t'as échoué. C'est pas moi qui ai échoué. Locke a échoué, ça me met. Moi je me dis tout le temps Aurélien Porto a échoué. En tout cas c'était pas moi. Hein. Si. Non clairement pas. Mais clairement. Bah si. Moi c'était écrit Locke TV a échoué. Mais moi aussi écrit tout le temps Aurélien a échoué. Le jeu il passe de temps à nous dire des trucs comme ça. C'est le jeu qui nous montre l'un contre l'autre. Non pas juste au karaté. Il y en a certainement bien assez non, pour tout le monde. Toi. Bien plus qu'assez. Et on est tous du même côté. Non. Vous essayez non. De me piquer ma non. Non. Non mais vraiment. C'est Lux qui essaye. Ah allez. Ah bah alors, allez. C'est toi ce qu'on sent. Alors. Pam pam. Lux a échoué. Moi Aurélien je vois. Vous le voyez là-haut. Il fait Aurélien a échoué. Tu joues pas assez à Headbangers hein. C'est toi mais si. Tu fais karaté. Tu fais karaté qui sait. Ah t'es rend fou. Il était pas concentré. Ça se voyait de toute façon. Dépêche-toi. C'était pas. T'étais pas dedans. C'est toi, t'es pas dedans. Moi, je suis totalement. C'est toi qui a des problèmes de manette ce soir. Tellement pas. Mais des fois, ma manette est même pas là. C'est là que c'est raison, elle a toujours raison. Non, mais oh. Merci. Oh, Valou, si c'est pour venir ici pour dire à ça, tu peux retourner chez Lox. Hein. Premier c'est message, pas la peine. Ami, c'est Lox, elle a raison. Salut, toute hôtesse. Personne ne bouge. Oula. Et personne s'amuse à se transformer. Oui, il est marqué que chacun, à chacun que l'autre a échoué. Du coup, on sait jamais qui a vraiment raté. Bah oui, c'est ça. Moi, j'ai appuyé en tout cas. Calme-toi, Junior. Calme-toi. C'est officiel. C'est Lox la meilleure. Okay. Oh, ça, on le savait. Moi aussi, j'ai appuyé. Junior, c'est pas un prénom de criminel. Hein. Non. On peut dire. Cristobal Junior. Non, non. Non, pas comme ça. Attends, oui. Que... Personne change. Hein. Oh là là, fais un choix. Allez, fais pas la con, Lox. On n'a pas de problème avec toi. On veut juste se tirer d'ici. Ah merde, pardon, excusez-moi. Pardon. Stresse pas, on maîtrise. C'était écrit R1, j'ai appuyé sur R1 et. Pardon. Excusez-moi. Pitié. Désolé, mais si vous respirez, alors vous avez pas vraiment le choix, on va dire. Ouais, vous y pouvez rien. Ah! Ça recommence. Mais non, tout va bien, Junior. Quoi, mais de quoi tu parles? Attention. Oui, attention, t'avances pas, meuf. Baisse-toi aussi. Y'a voilà. Pas de brume, là. Respirez pas. Faites gaffe à la brume. Y'a pas de brume. C'est quoi cette brume? Curiosité. Ah, pas mal. Attends, pas mal. C'est quoi cette brume? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle ramène à la vie des choses qui devraient pas être vivantes. La brume compte pas pour des prunes. Elle est avec nous, là. S'il te plaît, calme-toi. Stop. Elle est dans l'anneau, pas vrai? Oui, je suis assez d'accord que le gars, il va forcément mal finir. Hein. Bah, lui, oui. Et lui, tant qu'on ne joue pas, j'ai ça compte pas. J'ai jamais respiré de brume bizarre. Allez, je te le promets. Vous avez respiré la brume. Ça se produit. Mais non. Je peux le sentir. Mais c'est pour ça, c'est ça, c'est pas ça la prédiction qu'on a vue. Je sais pas, peut-être. Avec j'ai le vu gars un truc dans cette pièce, y a pas de brume. Le allez, gars qui s'est auto-assassiné. Okay. Écoute. Peut-être, oui. Effectivement, j'ai vu un truc. Un brouillard, une sorte de brume, peut-être. Je le savais. Je l'avais dit. Tu l'as respiré. Non. Non, on a tous retenu notre souffle. On n'a pas respiré la brume. Ah, vraiment? Je sais que vous êtes la crème des plongeurs, mais vous pensez que je vais vous croire? Eh oui. On est ici. C'est vrai. On est la crème des plongeurs. Bien sûr. Vous retenez votre souffle depuis tout ce temps. Et là, vous respirez pas. Non, je fais plus ça, ça me saoule. Oh non. C'est la brume, elle est entrée en moi, c'est ça? Oh là là. Elle est en moi, pas vrai?
Je sens qu'elle est en train de se répandre partout. Elle me transforme. Trop long de respirer, ouais. Ouais, c'est pas... Tu vas faire ça tout le temps, t'es... Junior, fais pas le con. Distraire ou prendre l'arme? Fais pas le con non plus, toi. Non, vieux. Je suis sûr que la brume t'a pas contaminé. Arrêtez! Arrêtez de me mentir! Laisse-le se tuer, bah non, quand même. Non, t'es... C'est... Là, il nous remenace, nous, maintenant. Bah oui. Vous montez tous, la brume en moi. Tue la brume, vas-y. Oh. Voilà, vite ton chargeur contre la brume. Ouais, putasse de brume. Aïe. Hé, hey, doucement. Fais pas ça. Aïe. Voilà. Bim. On a essayé, on a dit que des trucs apaisants. Enfin, oui, plaisant. Tout à fait. Des plus, du près, plus quoi. Qu'on avait, enfin voilà, qu'on pouvait, quoi. On a fait notre possible. On a un flingue! Oh. Mais tu l'as reposé, ah non? Bah oui. Pourquoi j'ai fait quoi du coup? Je sais pas, t'as eu peur que le mort reprenne le flingue? J'ai juste posé mes empreintes dessus en fait, c'est ça? T'as enlevé. Je sais pas. J'ai pas compris. 172. Tu devrais le fauter quand t'es tout de bras en même temps et puis après tu le remets. Une seule chose. Ouais, je. Je suis là depuis trop longtemps. Je la joue vétéran lui. Hé! Hey voilà. Est-ce que tout le monde va bien? Merde. Ah oui, bah on entend les coups de feu. C'est ça. On a essayé de l'apaiser, c'est ça. Mais bon, de toute façon, de base, la prédiction avait dit que ça finirait comme ça, donc je pense oui. qu'on pouvait quasiment rien faire pour changer ça. Ouais. On a peut-être réussi à ce qu'il nous tue pas nous. Voilà, avant de se tuer lui. Voilà. Qu'il soit... Bon. Et plutôt une victoire en soi. Ouais. Sachant que les QTE, bon... Aurel, il fait rien qu'à les rater. Non, c'est toi. Tiens la manette à l'endroit, s'il te plaît. Mais moi, je m'appelle pas Lux TV. Hein. Mais il y a écrit Aurel, tire mon truc. Il y a écrit... Là, le... on se doute qui c'est. En vrai. Non. Si. Une idée brillante. Il y a sûrement pas qu'un seul passage pour rentrer et sortir. Faut continuer d'explorer ce niveau. Ah. Alors... Toi, t'es en train de voir quoi, toi, là, Lox? Moi, je vois des caisses. Et maintenant, ah, je vois un... Ok, parce que... Je sais pas ce que c'est. Moi, je suis en train de jouer Conrad, maintenant. Ah, tu joues Conrad? Ah bah, moi, ouais. Je suis toujours avec la Julia. Moi, je suis descendu pour essayer de venir vous trouver. Ouais, super, c'est carrément... Et le frangin d'Alex, il est resté à la radio. Tu veux m'acheter? Merci, Gaël. Merci, Gaël. Je crois qu'il a écrit la même chose dans le chat. Il nous a tellement manipulés. Et nous on a plongé comme des gros nids. On a lu en même temps. Je me dis en plus. Que ce serait carrément plus facile avec un cycleur. Ah, c'est une honte, Gaël. Avant, plus en péril. Tu mérites d'être ban des deux chats. Je mange. Reste ici. C'est gentil, mais te la pète pas trop. Tu sais que je plonge mieux que toi. C'est toi qui as développé le jeu, avoue, Gaël. Je sais que t'en es capable, mais. Je la sens pas du tout, cette plongée. Tu feras quoi une fois sous l'eau s'il n'y a pas de poche d'air? Je chercherai des poches d'air dès que je serai dans l'eau. Si je peux en trouver aucune, je remonterai. Pas trop froide, c'est déjà ça. Bon, moi, je vais plonger, moi. Tu as plongé, toi? Ouais. C'est toujours toi qui plonge. C'est vrai. Et là, tu pourras venir. T'as trop de la chance. Fais gaffe. Hey. Je sais que c'est pas forcément le moment idéal. De plonger, tout ça. Ouais. Je t'aime, Julie. Alex, je trouve que c'est le moment parfait. Moi, je t'ai sans pour. Je t'aime aussi. Pour tenter d'aller les sauver. Pour l'instant, ce qui compte. Ils se font même pas un bisou. L'autre il dit avant que tu partes, je t'aime, machin. Mais ils se regardent de loin. Ah ouais. Tchuss, ah allez, ouais. On se check. Putain. Check mon amour. Ah non. Du coup, je les imaginais dabés pour se dire au revoir. Vu qu'ils se prennent pas dans les bras, ils se font pas de trucs mignons.
Moi, j'ai Maël qui, dans mon chat, me décrit tout ce qui se passe sur, sur ton stream. Ah, c'est bien ça. Si on s'en sort pas, si on s'en sort, je te déboîte. J'aime bien cette petite, petite déclaration. Ouais. Tu apprends une chair. En fait, je comprends pas comment elle nage. Un peu bizarre. Ah, un tableau. T'as l'air sympa ton aventure. Oula. Prémonition débloquée, mais. Ah, t'as eu une prémonition. Oula. Tout ça pour ça. Je m'arrête juste pour ça. C'est la merguez. Merguez parti. Tant qu'il y a de la braise. Sérieux ton lit. À tous les officiers de terrain. Il y a eu une apparition subreptice, tout à fait. Mais. Elle se coince dans rien, je comprends pas. Bien dans l'ambiance, oui, Gaël. Ouais, moi j'aime la gaz partie, pour l'instant. Je suis sous l'eau, c'est parfait. Il y a des ombres qui apparaissent souvent derrière Aurel. J'aime bien. Oui, moi aussi. Ouais. J'ai des descriptions. Ouais. C'est trop mignon. Mais attends, faut que j'aille à la porte en fait. Ah oui, c'est ça. Ok. Maintenant, je fais ça. Oh putain. Je sais pas ce qu'il faut que je fasse. Ça me dit pas. Ça me donne pas de touche. Ah, elle a essayé en fait. D'accord. J'ai pas eu de touche à faire parce qu'elle a. C'est une cinématique quoi. C'est toi la cinématique. Ouais, de fou. Là, je cinémate à mort, là. Là, je fais rien. C'est le jeu, il joue. Ouais. Moi non plus. Oula. Oula, je viens de tomber sur Olson. Qu'est-ce que... Ah, mais faut ouvrir. Ouvre la porte, c'est moi derrière. C'est toi derrière? Je crois. Ouah, mais j'étais en train de regarder ailleurs. J'ai pas loupé, je regardais ailleurs. Oui, j'ai voilà, il a pas loupé, pas hein, c'est pas possible. Moi aussi, je regardais ça ailleurs, mais c'est bien, marrant, j'ai pas loupé, tu vois. Ah bah j'ai réussi. Oh la caisse qui a failli me tomber sur la gueule. C'est bizarre, y a pas de bruitage. Ah si, voilà, j'en ai un peu, mais j'en avais très peu. J'avais que de la musique, du coup, ça rendait moins intense la scène. Genre pas de bruit d'eau ou de trucs comme ça. Oula. Oh là là, pas bon ça. Ah bon? Non. Mais tu vois, moi je. Je me bats contre le sun, il a tapé dans une caisse, ça a fait. Ah ouais! Oh là, il y a de l'électricité au-dessus de l'eau ah là. Ouais, oh là ouais, là. Je suis là. Oh non, il y a du pu! Ouais, du pu, ouais, il y exactement. Il y a des sacs à pu! Ouais, comme. Comme au début. Comme au début! Hop là! Oui, bah actionne meuf, vas-y fais des trucs. Oui, actionne, là, allez. Elle arrête pas de regarder mais je peux pas jouer. Salut, Jessaf. Ah oui, mais il faut attendre que je passe pour fermer la porte. Ah bah vas-y, passe. Allez, bah je sais pas ce que je fais. Ah, je ramasse la masse. Ramasse la masse. Je ramasse la masse. Door 2. Ah oui. C'est disponible pour fermer la porte 2. Allez, j'attends que tu passes. Vas-y, vas-y. Vas-y, champion. Vas-y, champion. Vas-y. Il court très bizarre. Ouais. Je sais même pas pourquoi j'ai dit attends, en fait. Voilà. J'ai réussi mon QTE. Voilà, et là ça va le tuer. Bim. Voilà. T'as mangé du pu, t'es contaminé. J'ai pas mangé du pu enfin. Ah, il mange du pu. Non.
a failli rester. Cette phrase est horrible. Oui, complètement. Je m'en il fait pas. Ce qu'il a pu. Ah, ça y est, on est parti sur les jeux de mots sur le pu. Mais bon, les méchants, il y en a pu. On aurait dû prendre la masse quand même. Mais oui, on ramasse jamais les armes. Non, on préfère c'est... galérer. On est un peu oui, des sortes de biches, de bambis sans défense. Ouais. Plutôt que d'avoir une masse qui peut au moins aider à ouvrir une porte, quoi. Bah oui. C'est quoi ça? C'est le truc pour faire redémarrer le bateau là, non? Ah oui, c'est vrai, il nous manquait ça pour repartir. Ouais. Salut mec. Qu'est-ce que tu fais? Ça? Quoi de neuf? Ouais, je suis bien, Macaille. On aurait pu l'appeler Lorenzo si on avait ramassé la masse. Allez. Il est très c'est drôle. Bon, on va voir si ça marche. Oui. Allez, le jeu coffre Milan. Bim. Ça, c'est mon pote de Milan, ça. That's my boy. Et la petite capitaine du bateau, elle est pas là? Et la petite capitaine du bateau? Bah non, parce que je l'ai tué au précédent stream. C'est vrai. Je me rappelle, j'étais là. L'enfure qui crie Duke. Il cherchait de l'or. C'est tout ce qu'il voulait. Il était prêt à tout. L'or de Mandchourie. C'était pas du tout ce qu'on avait imaginé, finalement. J'arrête pas de me refaire le film, dans ma tête. Et j'y comprends rien. Rien. J'ai juste... Et je sais ce que j'ai vu. C'est juste... J'arrive pas à... Je peux pas croire que c'était réel, en fait. On dirait qu'il parle en accéléré. Mais c'était pas lui, c'était... Quelqu'un d'autre. Mais c'était son sosie. Il me regardait méchamment. Je sais pas son expression à lui. Ouais, genre on sait pas. Là, il se cherchait. Hein. Il savait pas quoi jouer le gars. Ouais. Je dois être suspicieux, inquiet. Je sais pas quoi dire, je sais pas quoi jouer, je sais pas. J'ai fait plein de yeux différents. Ah oui, bon bah ça va, on va pas passer 50 ans sur sa mort. Elle est morte, bon. Ah, mais on a fini? On a fini le jeu? Oh non bah, c'est tout. C'est tout. Mais non. C'est... Attends, on a passé quoi 3 heures dessus bah, à tout péter en deux fins. Mais... Ça sentait la fin. Ouais, non, mais là, il est super court, bah... le truc. Mais enfin... Mais c'est... On a eu 3 QTE. Voilà. Mais oui. Fin de partie. C'est moins pour l'instant. Vous pouvez toujours retenter votre chance. Vous ferez j'ai passé plus de temps déconnecté qu'à jouer. Impressionnant. Presque tout le monde a survécu. C'est quoi? Oui, presque. Oh là là, ah bah du coup, ouais, d'accord. Le rideau tombe. Oh, ça sentait la fin, mais je me suis dit qu'on allait peut-être revoir le passé après, j'en sais rien, avoir un vrai dénouement. Tout est une question de choix, n'est-ce pas? Des choix faits dans l'urgence, dans la panique, avec le cœur plutôt que la raison. Bah ouais, non vraiment, c'est 3 heures. Hein. Des choix dont les conséquences peuvent parfois tarder 3h30. À se faire sentir. Ouais. Mais il y aura des 3h45 avec les problèmes d'internet. Il y a toujours des conséquences. Un gros 4 heures si on rajoute l'altab, bon. Ouais, voilà. Ah, je suis déçu. Bah si, Jet Safe, les autres, ils sont plus longs. Enfin, moi, j'ai fait que Until Dawn, qui est plus long quand même. Until Dawn est plus long, et les autres, alors c'est peut-être un peu moins long qu'Until Dawn, mais ils sont... Franchement, c'est presque le double, je pense, en... Ça ne fait aucun doute. En temps de jeu. C'est... Putain, pardon, il y a Christelle qui... Inévitable. J'ai vu le clip d'hier. Oui, ben voilà, ça va être ça une fois par soir, je pense. GG. Bon, bah, du coup... Bah, bon.
Je reste un peu sur ma fin, je t'avoue. Ouais, de fou. Je vais pas te mentir que pareil, hein. Ouais. C'est tout. C'est pas un de la série des Dark Pictures. Il est bien non, mieux d'ailleurs. Non, c'est vrai, mais ouais. c'est la base. C'est le même studio et tout, donc. Ouais. C'est pas la série, mais c'est ce. C'est pas la série, mais. Oh bah mais pour avoir salut, fait les autres, c'était plus long. C'était ouais, au moins 6 heures de jeu, je pense. Ouais. Est-ce que le fait de le faire à deux, ça va pas plus vite? On fait chacun un personnage. Peut-être que quand tu joues tout seul, tu fais les deux persos l'un après l'autre, peut-être, non? Bah, pour avoir testé, tu vois pas du coup toutes les scènes quand tu fais solo. T'as pas forcément ce côté, tu vas faire un perso, puis un autre, puis un autre. Ouais, okay. Il va se passer en fait un peu des trucs que tu joueras pas. Enfin, en tout cas, on avait testé comme ça pour celui d'après, c'est Little Hope. Ouais. Et après, bah, pour voilà, quand tu joues vraiment à deux, là pour le coup, t'as vraiment des scènes uniques pour chacun. J'ai pas tout compris au final. Bah, on a rien compris du tout, même. Il y a même pas d'origine au problème. Bon, si on avait lu, on aurait eu un petit peu plus, mais c'est. Enfin... Mais c'est. En fait. Oui, parce que c'est. C'est juste en fait, le bateau, il est hanté, puis c'est tout. Mais il est même pas hanté en fait, il y a juste des produits toxiques. Et les mecs, ils respirent un truc qui les fait halluciner. Enfin, on peut le prendre comme ça si on veut en fait. Ça a l'air d'être ça, effectivement. C'est. Voilà, fallait tout lire. Ah ouais, c'est peut-être plus long si on lit tout, ouais. Oui, si on lit tout, ça rajoute un peu de temps. Ouais. Bon, bah d'accord. Bon, bah effectivement, bah... je pensais pas du tout que ce serait si court. Bah oui. Vu que j'ai fait les autres, qu'ils étaient un peu plus longs, ouais, entre 5-6 heures, quoi, j'avoue que là. En vrai, c'est sympa et tout, mais. Ah bah là, ouais, là, celui-là. Et alors, bah, ouais, bon. Et alors, est-ce que toute la série de Dark Pictures, est-ce que c'est que des trucs, des histoires isolées les unes des autres, ou est-ce qu'il y a un lore général à l'ensemble? Non, pas que je sache, il y a juste le narrateur en commun. Ouais. Juste le narrateur, et quand t'es dans un... On va dire que c'est pas rare, c'est un... Enfin, en général, tu vas voir, si tu cherches bien, tu vas voir un comment on appelle ça, un easter egg du prochain jeu. D'accord. Okay. Je crois d'ailleurs que je suis tombée dessus la dernière fois quand on a joué. Où tu vois une petite scène mini, comme une prédiction, mais cette fois c'est une petite scène d'un autre jeu et c'est une scène du futur jeu. Ah oui, parce que moi j'ai vu une prédoche aussi où j'ai vu deux personnages, dont un qui se pendait. J'ai pas vu le visage de la personne qui se pendait, mais d'un autre gars. C'était peut-être la petite. Un espèce de blondinet à lunettes. Ouais, avec un petit pull machin. Ouais. Bah, c'est ça, t'as vu. Gaël, t'as pas vu le rapport entre eux non plus ouais. Non, y a pas j'ai pas vu d'histoire. Clairement, juste un narrateur. Trésor Mandchourie, tout ça, ouais, on sait pas. Non, du tout. Ouais, imagine le jeu à 56, 60 euros pour 3 heures. Ouais, là, c'est. Ouais, abusé, c'est. Ouais, c'est vrai que c'est. De base, ils sont un peu, voilà, c'est des jeux qui sont un peu trop chers pour la fine, enfin pour l'attention qui est apportée à la finalisation des jeux, puisque quand ils sortent, en plus, enfin celui-là ça va, mais j'ai souvent eu des bugs, des trucs comme ça. Ah oui. En plus, là, celui-là il est très très court. Ouais. C'est franchement. The Quarry, il est aussi court que ça? Non, il est plus long. Il est plus long, hein. Pour moi, il est plus long. Pour moi, oui, c'est au moins le double hein, en temps de jeu. Ah oui, Guy, tu penses que... Ouais, d'accord. C'est des histoires solo que le gars raconte un peu comme les contes de la crypte. Ouais, je vois l'idée. Ouais, c'est tout à fait ça. Quarry, il est plus long, ouais. Parce que Quarry, j'avais hésité à le faire. Mais ouais, bah, c'est un peu plus long, c'est un peu nanardesque aussi. Moi, j'avais trouvé rigolo ce Quarry, en fait. Ouais. Oui, mais après, voilà, faut savoir que ça va pas être... On a une petite scène. Ah. Une petite scène. Scène post-crédit. On va faire une petite ce soir. De la semaine. Ah, attends, mais il est pas mort lui? Bah apparemment. Du coup c'est... Ah mais c'est pas fini. Mais pourquoi on a eu un générique? Trajectoire actualisée. Mais je comprends rien. On sait pas. C'est peut-être des hallucinations peut-être. Ah non, mais ils vont trouver mes empreintes sur le pistolet, c'est sûr. C'est vrai. Ils bug oui, dessus. C'est probable, oui. Donc, comme par magie, ce truc envoie un SOS. Ça sent l'histoire de vaisseau fantôme, pas vrai?
Ah, en fait, on a fait l'intro. D'accord. Ouais. Waouh. C'est quoi ces conneries? Là, on va jouer les deux militaires, non? Vas-y, oh, faites pas vos chagasses, là. Allez, allez, laissez-nous jouer un peu. Mais oui. Train 5 est en promo. Ah non, j'ai pas vu, merci Super Mersoin. Merci de l'info. Oh, sympa ça. Ouais, sur Epic Game Store. J'ai pas le réflexe d'ouvrir Epic Game Store. Ah, j'essaie d'y penser, parce que c'est... Même les jeux gratuits et tout, bah, c'est pas rare que je sois contente d'en avoir un, parce que y a une nouvelle mise à jour. Bah oui. Oula. Ah bah du coup, oui. Oh. Ah. D'accord. Vous avez terminé l'histoire partagée, ça m'a mis ça. Oui, et là on voit l'autre opus. La suite. Le prochain. Puis d'après. Ah oui, donc on va pas rejouer, donc c'est bien fini. Donc c'est bien fini. Bon bah bisous la VOD hein. Mais salut la VOD.